Je voulais être écrivain. Ben, c'est raté. Enfin, c'est raté, non, j'écris aussi, mais bon, je suis plus peintre qu'écrivain, apparemment. Je sais pas comment on dit un peintre parce que, en fait, j'ai toujours. J'allais dire, j'ai toujours été peintre, non, mais ma maman était peintre et ma grande sœur était peintre, donc j'avais l'impression que tout le monde était peintre, en fait. La peinture, c'est une chose naturelle. C'est comme respirer. Ça m'est tombé dessus. Alors que je m'y attendais pas du tout. J'avais 40 ans à peu près. J'ai vu une fois une affiche à Lyon d'un peintre qui s'appelle Haddad et qui m'a tellement plu que j'ai cherché la galerie, parce que je connaissais même pas la galerie, pour aller voir l'expo. Et quand je suis revenue de l'expo, je me suis mise à peindre. Je peux pas dire pourquoi, mais j'ai dit c'est pas possible, faut que je peigne. Et j'ai trouvé immédiatement ma façon. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais mûri pendant 20 ans. Ma peinture et elle est sortie telle qu'elle est maintenant. C'est ça qui est assez extraordinaire, j'en reviens pas, toujours pas maintenant. Je veux dire, c'est comme si j'avais travaillé. Je ne suis pas passée par toutes les étapes par lesquelles on passe normalement, les copies d'eux, les influences, quand on se cherche. Je n'ai pas cherché, j'étais là. Et Chercher des coloris, choses. le monde entier, enfin je veux dire, les toutes premières. Toi, vous ne les différenciez pas des autres. C'est déjà ce monde-là. C'est vrai qu'il faut s'habituer, je pense, à un moment. Il y a des gens qui sont très choqués, agressés même. Ça me fait toujours de la peine parce que je ne sais pas du tout ce que je mets dedans, mais bon, je respecte ça. Peut-être que ça touche quelque part des choses qu'il ne faut pas toucher, des gens qui veulent pas entendre certaines choses, peut-être. J'en ai certaines qui sont tristes, c'est vrai. Il y en a certaines avec lesquelles je ne peux pas vivre non plus. C'est rare, mais enfin, ça m'arrive. Je ne sais pas jamais comment ça va être perçu. Et vraiment, chacun prend ce qu'il veut dans ce que je montre. J'ai besoin d'exprimer ça, et ça fait partie de l'humain. Ce que je veux parler de l'humain, c'est essentiel. C'est essentiel pour moi de sortir ces choses-là de moi. Parler de mes émotions, parler du vécu, parler de la solitude, parler de la rencontre, bah parler de l'humain, c'est tout. Alors oui, c'est vrai qu'on me dit toujours, mais pourquoi ils n'ont pas de cheveux? D'abord, avant qu'on me le dise, c'est-à-dire avant d'exposer, je ne m'étais jamais aperçue qu'ils n'avaient pas de cheveux. Donc ce n'était pas une volonté. Hein, c'était pas une volonté. D'autant que comme je pars toujours de croquis, et là j'ai remarqué, donc après qu'on m'ait dit qu'ils n'avaient pas de cheveux et les yeux fermés, j'ai remarqué que mes croquis avaient des cheveux. Et souvent, enfin, parfois les yeux fermés, mais pas forcément. Ils ont les yeux ouverts. D'ailleurs, ils n'ont pas les yeux fermés, mes personnages, je tiens à le dire, les yeux baissés, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'ils intériorisent. Ils ne communiquent pas avec le spectateur.
Je sais pas pourquoi, au moment où ça passe du croquis à la peinture, ils perdent leurs cheveux en route. C'est peut-être parce que je voudrais juste simplifier au maximum. Moi, je suis attirée par l'absurde. Ce qui me plaît dans la vie, ce qui me fait rire, c'est l'absurde. Et ce qui me plaît dans l'humain, c'est la faille, c'est la fragilité. Tout ce qui me plaît en général, pas seulement dans l'humain, c'est ce qui est fragile. Et ce qui est absurde, donc il y a de quoi faire hein, dans la vie. L'absurde, ça va. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par Kafka. Ce qui me fait rire, c'est l'humour anglais, l'humour anglo-saxon, qui est vraiment tout basé sur l'absurde. Et donc, moi, je mets ça dans mes toiles. Il y a des gens qui le voient, il y a des gens qui ne le voient pas du tout. Je ne sais pas dans quoi je me mets. Alors, quelquefois, je me retrouve dans les singuliers parce qu'ils m'acceptent. Moi, je ne me considère pas du tout singulière. Encore que, bon, singulier, c'est, les singuliers, c'est... Déjà, tous les artistes sont singuliers, sinon ça ne veut rien dire. Je me sens plus proche des expressionnistes. Quelquefois proche des naïfs aussi, c'est difficile. Je serais entre les trois, quoi. C'est difficile, je ne peux pas me mettre dans une case, vraiment. J'ai toujours une idée très précise de ce que je veux faire et dire et montrer. Donc je cherche parmi tous mes croquis, j'en ai des pleins cahiers, que j'ai envie d'exprimer ce jour-là, parce que c'est pas toujours la même chose, et ce qui irait bien sur le fond que j'ai. Bon, alors je vais utiliser le hasard parce que de toute façon je vais le... J'ai des tâches qui m'intéressent. Je fais des traits sur une ambiance colorée. Je ne pars jamais sur un truc uni. Je peux pas, il me faut l'ambiance. Moi, je crois que c'est la couleur qui détermine. Je choisis la dominante qui correspond à mon humeur du moment, sans doute. Hein. C'est inconscient, ça. Mais c'est la couleur qui détermine l'ambiance qui va apparaître sur le tableau, c'est sûr. C'est sûr que c'est la couleur. J'utilise les papiers comme palette, ce qui me... Après, j'ai des fonds, j'ai des ambiances. Et du coup, j'hésite pas à gâcher, puisque de toute façon, c'est pas perdu.
j'ai horreur de commencer sur du blanc, de l'uni, quelle que soit la couleur. Là, c'est du papier vert qu'on m'a donné. Bon, là, je fais une première ébauche pour voir si la composition. Donc, je place un petit peu les couleurs. Voilà, je les martyrise, mes tubes. C'est curieux parce que les images ne sont pas dans ma tête, elles sont dans ma main. Je ne peux pas expliquer comment. Si ça m'arrivait quelquefois d'avoir des images chocs, des choses dont il fallait que je me débarrasse, comme cauchemar d'enfant ou des choses comme ça. Alors là, ça, effectivement, c'est une image qui est restée gravée, elle est imprimée à l'intérieur, il faut la sortir. Mais souvent, je veux exprimer un truc et dans ma tête, l'image n'est pas formée, vraiment. C'est ma main, elle est dans ma main, l'image. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Ma main sait. J'ai pas classé tout un paquet d'images dans ma tête comme ça que je sortirai à certains moments. C'est pas sous forme d'images dans ma tête. C'est sous forme de sensations, d'émotions, mais pas sous forme d'images. Ma main transforme ça en images. Quand je peins, je crois que je pense à rien. C'est terrible. Si je pense à mes personnages, je pense à ce qu'ils éprouvent. En fait, je pense à l'émotion. C'est drôle comme truc. Je pense à ce que je veux faire passer et donc je me mets dans l'émotion que j'essaye de donner. En l'occurrence, là, c'est un couple. Il y a de l'amour, il y a un peu d'angoisse et de peur. La première étape est toujours assez rapide. C'est après que ça se complique. C'est solide le papier, l'air de rien. Alors, bon, même s'il y a des trous dedans, même s'il est froissé, on peut le détremper, on peut le repasser, on peut tout lui faire. C'est ce que j'aime en fait dans le papier. C'est le côté fragile apparent, parce que j'aime bien la fragilité. Avec en fait une solidité et la légèreté. Je mets des couches et des couches, donc il est même difficile de croire que c'est du papier. Une fois marouflé sur toile, avec la couche de peinture qu'il y a dessus, c'est difficile de se rendre compte que c'est du papier. Voilà, c'est une première étape. Là, je suis obligée d'attendre que ça sèche. Dans les tableaux de Chantal Roux, il n'y a pas de paysage. Pas de décor. Uniquement des personnages fagotés dans des vêtements informes et imprécis.
Ce sont des êtres sans aucune connotation temporelle, sociale ou sociologique. Ils sont là, timides et dans la plus superbe indifférence à l'indiscrétion de notre regard. Dans leur huis clos sans décor, souvent ils ne laissent la place qu'à un seul objet ou animal familier. Surpris par le geste de l'artiste qui les a saisis là, comme le ferait un photographe, ils ont l'assurance tranquille des gens ordinaires occupés à leurs histoires intérieures. Les animaux familiers, les couples et les maternités, c'est des thèmes qui me reviennent de temps en temps. Parfois, je fais toute une série sur autre chose et je reviens sur le couple. Le couple dans tous ses états. L'enfermement, je crois que c'est une partie très importante de ce que je veux exprimer. Parce que l'enfermement, c'est pas seulement entre des murs, ça peut l'être aussi. Mais c'est aussi souvent l'impossibilité de communiquer avec l'autre qui est tellement important. Il y a toujours un défaut de communication, je dirais, entre eux. Par exemple, ce couple-là, visiblement, il y a un défaut de communication. Lui, il a l'air heureux comme tout. Elle, c'est pas ça, hein. Donc, je dirais que même quand ils sont deux, il y a un truc qui ne va pas entre eux. Et c'est vrai que c'est tellement dur de communiquer. Et en même temps, je crois que l'image, c'est un moyen de communiquer extraordinaire et immédiat, quoi. C'est bien mieux que tous les mots, c'est bien mieux... Ouais, l'image, c'est... Donc, je communique l'incommunication par mes images. Quand je fais des personnages, je m'attache à eux, ils ont une vie. C'est un moment de leur vie, une seconde de leur vie que j'ai pris, mais dans ma tête, ils ont toute une vie. Ils ont des parents, ils ont une enfance, ils ont une... Quand j'écris, c'est la même chose. Je crée des personnages de toutes pièces avec une faille.